nous avons découvert au fil des allées un stand qui s'appelle Babylon Chronicles et qui présente le travail d'un artiste assez, j'allais dire, je sais pas comment vous le dire justement, mais c'est pour ça que je vous présente Cyril. Donc ben, je suis le président de Babylon Chronicle. Et donc effectivement, on présente les travaux de Dimitri Lam, qui est un dessinateur qui est dijonnais, pardon. Donc au fil de ces différentes créations, on peut voir différents types de produits. Donc là, on a toute une gamme de visuels sépia que l'on présente en poster, on les présente en demi-poster, on les présente en carte postale également. Et également deux autres produits qu'il a fait, c'est deux mangas, un manga qui s'appelle Josh qui est ma foi très bien, il a été vendu déjà à plus de 1800 exemplaires. Une production française, c'est plutôt un bon début. En plus, et c'est en plus une production amateur, étant donné qu'on a fondé une maison d'édition en amateur, donc ma foi ça se débrouille bien, on est vraiment content. Effectivement, donc au niveau de son univers, donc c'est quand même pour décrire un petit peu son univers, parce qu'il a l'air quand même assez loin. Alors, on a différents types de produits. Les femmes que vous voyez derrière, la gamme s'appelle May. En fait, c'est l'histoire d'une fille. Elle a un frère, pour faire simple. Elle est morte, le frère était vivant. Et pour redonner vie en fait, à sa sœur, il a décidé de se sacrifier pour qu'elle puisse revivre. Donc voilà un petit peu le principe. Ouais, c'est ce que je disais, c'est quand même perturbé. Tout à fait. Donc c'est pour ça, en fait, au fil des différents visuels, là vous la voyez par exemple dans un cimetière, là vous voyez par exemple une âme qui tourne autour de sa main, et ainsi de suite. Donc on la voit évoluer au fil des différents visuels. Et alors là, par exemple, on a... Là on est sur une autre gamme, voilà, qui s'appelle Monday. Ces différents visuels, en fait, je dis une notion de gamme, mais c'est... Tout à fait, je comprends voilà, votre idée de... C'est plus une famille de visuels. Ouais, c'est... Donc là on est plus sur le principe des anges. Il a fait différents visuels au niveau des anges. C'est une gamme qui a été créée depuis 2 ans et qui évolue gentiment au fil de l'eau, quoi, tout simplement. D'accord, donc sa passion, c'est effectivement tout cet univers un petit peu manga. C'est une inspiration manga, clairement, quoi, c'est clair. Oui, clairement. Clair. Donc alors, c'est un yaoi, on va même plutôt dire c'est un manga gay, plus exactement. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a découvert son homosexualité et on le voit évoluer au fil du temps. On le voit faire différentes rencontres, on le voit également à travers ses différents amis. C'est en fait sur le principe d'un trio. On va avoir donc Josh, on va avoir un de ses amis qui s'appelle Yuri et un autre de ses amis de ses amis à côté. C'est même sa meilleure amie. Dans le premier tome, elle est plus sa confidente. Il raconte plus à sa confidente les différentes histoires, ce qu'il rencontre au fil du temps. Et on voit également apparaître Yuri comme un autre personnage qui va apparaître sur les autres. On laissera un petit peu de suspense pour la suite. Voilà. Et alors, un autre univers, alors totalement différent, cette fois-ci c'est Delirium. Voilà. Alors, Delirium, pour faire simple, sans être méchant, vous voyez que la fille est blonde. On est vraiment sur le principe de la gentille blonde. qui en fait a 20 ans et qui s'est fait gentiment tailler par ses copines. Voilà, c'est tout à fait ça. Et qui s'est fait gentiment tailler par ses copines parce qu'elle n'a toujours pas rencontré le grand amour. D'ailleurs, elle n'en a rencontré aucun grand amour. Donc, ce qui fait que ses copines n'arrêtent pas de la vanner par rapport à ça. Pourtant, elle est jolie. Eh oui, pourtant, elle est jolie. Et donc, elle se dit, eh ben, puisque j'ai vu dans plein de grands livres, type Cendrillon, plein de livres dans ce style-là, en général, à chaque fois que la princesse, elle a un pépin, son prince charmant arrive. Étant donné qu'elle a une forêt à côté de chez elle, et qu'en plus, elle a la chance d'avoir plein de monstres dans cette forêt, elle se dit, ben, tout simple, je vais aller me paumer dans la forêt. Et normalement, si tout se passe bien, mon prince charmant devrait arriver à ce moment-là. Ça va pas se passer tout à fait comme elle l'avait prévu. Et on le laissera. Non, vous ne saurez pas la suite. Pour ça, il faudra l'ouvrir et le lire. Alors, se lit-il de gauche à droite ou de droite à gauche pour la petite histoire ? Dans le sens français. Yes ! Merci ! Enfin ! J'en ai marre de lire ces trucs à l'envers. Ah, il me plaît ce manga. Donc voilà, et ça, c'est Delirium, c'est un tome unique ou c'est le début d'une histoire aussi ? C'est également le début d'une histoire. Delirium devrait avoir 4 tomes et Josh devrait également avoir 4 tomes. D'accord, donc c'est quand même des sujets un petit peu à part. Hein. L'homosexualité, c'est pas facile à traiter, même si dans les mangas, c'est un genre à part, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Mais donc c'est pas facile d'arriver sur le marché français avec un sujet un petit peu décalé comme ça ? Alors paradoxalement, c'est chez nous le manga qui marche le mieux. Étant donné qu'on avait fait un partenariat avec le mensuel Têtu,
que Josh est en fait, a été publié, les quatre premiers chapitres ont été publiés sur le site Têtu, sur la partie blog dans le blog de Dimitri Lam, donc dans ma bulle. Vous pouvez retrouver donc les différents chapitres, et donc c'est quelque chose qui s'est super bien passé. Le lancement s'est super bien passé aussi, et le partenariat a été on ne peut plus royal. Moi et les blondes, bon ben là on va pas revenir dessus, c'est peut-être plus facile à traiter comme sujet. Non, je plaisante, je veux pas m'attirer les foudres de toutes les blondes. En même temps, si vous m'en présentez une comme ça, je lis, je prends. Hein. Si elle cherche, je fais la forêt, je fais ce que vous voulez. Et alors, donc l'avenir de Babylon Chronicles, donc c'est qui est votre association, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est l'édition, etc. L'avenir, il est comment ? Eh bien, l'avenir se présente bien, étant donné qu'on a quand même réussi à recruter un grand nombre de dessinateurs. Donc la petite particularité qu'on a, c'est qu'on a un ensemble de trois associations fonctionnant main dans la main. Donc on a Babylon Chronicles qui est ici, on en a une autre qui est juste à côté qui s'appelle Asgard Odysseia, dans lequel on a plein de dessinateurs prometteurs également, et donc notre maison d'édition également qui s'appelle Édition Babylon.com, qui nous permet justement de passer à la publication pour tous les projets les plus intéressants. Bon, bah écoutez, on va discuter entre nous, je suis sûr qu'on va arriver à trouver un truc sympa pour vous le montrer à vous, là derrière votre écran. Ciao.